Hey, you two, get on your boots. Lunch around the clock. After party. Alors, comme il nous arrive de le faire de temps en temps les lendemains de concert, eh bien, on vous parle un petit peu de ce qui s'est passé hier pour les 300 privilégiés qui étaient dans le grand studio de Classic 21. Comme de temps en temps, on se fait des petites soirées comme ça entre nous, bien sympathiques. Alors hier, on vous a montré que la scène belge est vraiment dynamique. Il y avait deux jeunes groupes qui étaient là. Il y aurait pu en avoir d'autres. Peut-être ferons-nous d'autres soirées avec d'autres jeunes groupes belges. Et ces deux jeunes groupes ont montré que, dans des genres différents d'ailleurs, le potentiel de cette scène belge. Il y avait The Aim. D'abord, on va s'attarder un petit peu sur The Aim. The Aim, pour ceux qui ont vu hier, vous avez sûrement apprécié le jeu des musiciens. Tout le monde était bien en place. Un power trio, c'était trois, donc basse, batterie, guitare. Et le mot power, en l'occurrence, n'est pas usurpé. Vous avez constaté, vous, dites-le à ceux qui n'étaient pas là, d'ailleurs, et qui étaient devant Derek à la télévision. Dites-leur le travail du bassiste Guillaume aussi. Guillaume, c'était le guitariste, c'était le chanteur et également qui nous a fait un petit speech aussi sur une action qui lui tient bien à cœur, sur le Tibet notamment. Et alors, il y aura une photo, il y aura des photos sur classique21.be bientôt et sur le blog. Et alors justement, à propos de Guillaume, on le voit en plein effort à un moment donné, en train de faire une grimace, donc c'est un instant arrêté. Et ça, c'est bien ce genre de photo, vous savez, c'est comme pour les Jeux Olympiques lorsque le coureur du 100 mètres arrive et qu'on le voit en plein effort. Parce que là, on se dit, ah ouais, quand même, le gars a tout donné. Le gars a tout donné, on est venu pour le voir, il nous a respecté et le musicien était là avec sa guitare et il a tout donné. Et dans ce cas-là, il y a du respect pour les musiciens. Donc c'était Guillaume, le guitariste. Il y avait aussi le batteur, pareil, lui, déchaîné, excellent batteur. Moi, personnellement, je l'avais jamais vu sur scène. Franchement, il m'a bluffé. Il y avait des moments où on était en haut, là-haut, et on regardait ça, on disait, oh la vache, excellent batteur. Une attitude posée, comme le disait d'ailleurs Jess sur Z-Blog ce matin. Donc il y en aura beaucoup plus sur classique21.be bientôt, des photos, et puis sur Z-Blog pour des commentaires. On va s'écouter The Aim avec le morceau emblématique d'hier soir et puis de leur carrière, on peut dire jeune carrière. Le morceau s'appelle New Days. It surely happened, the holy morning, a long smile appeared in my mind. A new sweet quiet I couldn't suppress, burying my weakness away, away. Any light of my night looked my way in the face. The silent spirit took my shaking hand. It brought me like a friend to the dusty mirror. Was in peace and lonely. I could see an old flame. Thank you.
in this few worlds. Nothing never ends. Nothing's ever ends. AIM sur Classic 21 avec New Days. D'ailleurs, ce morceau sous format vidéo, évidemment, tourne déjà sur MTV. Puis, je vous conseille de taper The AIM, A-I-M, dans Google. Et vous verrez la pochette du nouvel album qui s'appelle Emergency, qui est vachement bien. Et puis, le 25, ils seront en showcase à la Fnac de Gand. Lunch around the clock. After party. Et le 16 mai, non plutôt le 9 mai, il y aura le Rock for Tibet, un festival où ils seront également.